Bonjour, bonjour! Bienvenue au podcast Le Plus Court. Mon nom est Marie-Christine Dupuis et je suis toujours en compagnie du mannequin Kevin! Aujourd'hui, on reçoit un invité très sportif. Il n'a pas remporté le tournoi Roland-Garros, non. Mais il a gagné la deuxième place. Ça a été tout un tournoi. On reçoit le joueur de tennis, Alexander Zellers. Bonjour! Hi! Êtes-vous triste d'avoir gagné seulement la deuxième place? Ça a été un match difficile. Ben, on a justement pour vous des images du tournoi final de Roland-Garros de tennis avec Alexander Zellers qui gagne le deuxième trophée qui est une plaque pour faire des croquettes. On regarde ça. Je suis vraiment content d'avoir reçu une plaque à croquettes. Merci à toute la gang du tennis. J'ai reçu le trophée numéro 2, la plaque de croquettes. Quels ont été vos efforts pour vous rendre jusqu'au tournoi final? Je suis vraiment bon dans les coups droits, les coups gauches, les services, puis surtout les coups bas. Kevin et moi, on essaye souvent de jouer au tennis ensemble. Ça va pas tant bien. Avez-vous un truc pour jouer au tennis? Des fois, la balle, elle y va, puis je dois la toucher. Vous comprenez? Je suis vraiment bon dans tout ce qui touche la raquette. J'ai entendu entre les branches que vous jouez de la guitare avec votre raquette de tennis. Wow. Est-ce qu'on peut en entendre un petit bout? Comment vous faites vos passes, vos services? Mon truc, quand je joue au tennis, j'embrasse ma raquette, puis je dis des mots qui finissent par O. Ah! Salon! Nintendo! Pizzo! Ricardo! On a aussi des images de l'entraînement que fait Alexander Zellers à tous les jours. On regarde ça. Eh bien, c'est extrêmement touchant de voir Alexander Zellers, le joueur de tennis, performer à ce point et de se rendre en finale. C'est un privilège de vous recevoir ici. Alors, on se laisse. Je vous remercie, les gens à la maison, de nous écouter en si grand nombre. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode avec un invité qui n'est pas moi. Un autre personne! Salut!